C'est fait. Où est McDowell ? Mort. Les perdreaux sont arrivés juste avant qu'on ait pu décaniller et l'ont abattu. Quant à moi, je me suis échappé de justesse. Et ils ne vous ont pas suivi jusqu'ici ? Non, non. Je crois les avoir semés en passant par le chemin de la Gaule. La voiture n'a aucune égratignure. C'est étrange qu'il ne vous ait pas tiré dessus. J'ai de la chance. Non. Comment ça, non ? Il ne vous dit rien, ce portefeuille ? Vous l'avez oublié au bar ce matin. Alors j'ai pris. Dites-moi, c'est pas mon fric que vous tenez dans la main, là ? Et maintenant, ouvrez votre portefeuille. Chambre en télégramme. Alors comme ça, on a négocié avec les flics ? C'est pas ce que vous croyez. Fermez votre gueule ! Vous avez saboté toute cette affaire, et maintenant McDowell est mort. Et tout ça pour vous acheter votre liberté. Et dites-moi, vous comptiez bien m'embarquer et m'amener chez le commissaire, pas vrai ? Si vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça. Je sais que c'était moi qui montais le coup de la banque. 16 ans en taux, je risquais. 16 ! Vous n'auriez pas fait la même chose, vous ? Plutôt crever. Les mains en l'air ! Vite ! Déposez votre arme ! Et parce qu'en plus de tout ça, vous n'étiez même pas capable de venir vous défendre seul. Eh bien, pour l'honneur, je vous dis bravo. Cessez de baragouiner et déposez votre arme. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Tirez, mon sang !